Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve sur The Division et aujourd'hui, on se retrouve bien sûr pour les ouvertures de Pâques. Donc voilà, comme je vous avais dit, ça allait revenir et voilà, ça revient. Ne vous en faites pas, j'avais pas oublié The Division et j'avais pas arrêté. Donc c'est parti, let's go pour la première. Donc j'espère bien commencer. Donc il y a aussi un truc qui est sympa aujourd'hui, c'est que en fait, il y a le double récompense. Donc, ça veut dire qu'en gros, ça, c'est assez sympa, je trouve. Voilà, donc c'est parti pour la première. Donc, on commence par une porte gourmande. Donc, c'est assez cool. Ouais, voilà, ouais, c'est bien. Moi, j'aime bien commencer par ça, tu sais, des armes et tout. Parce que quand tu commences souvent par des gilets de barrettes, tout le tralala, tu peux te dire une chose, que tu vas pas avoir des bons trucs. Voilà, ça, c'est bon. Donc, c'est OK. On se retrouve pour le prochain. Tuer les derniers ennemis et on va faire le pack. Donc voilà, donc c'est parti, let's go pour le pack. Hop. Donc pas de classé, bon bah dommage hein. C'est pas grave, donc là bon j'ai pas regardé, j'ai pris les loots vite fait comme ça, tac 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 tac. C'est parti, let's go pour le premier, enfin le deuxième. Une Thompson, donc c'est cool. Donc là tout à l'heure on a eu la Port Gourmand, là on se fait la Thompson, donc c'est assez cool. C'est parti pour le prochain. Pas terrible. Et le suivant. Ouais. D'accord, bon ben voilà, hein, je pense que... Ah, merci les gars. Donc, je vous ai pas dit tout à l'heure, merci. J'ai récupéré aussi, donc, au moment que j'ai coupé, en fin de compte, voilà. Bon, merci pour le Rhino Doré aussi. J'ai récupéré, vous savez, la fameuse batteuse, je sais plus quoi, la big... Oh, je sais plus comment elle s'appelle. Moi, je l'ai, mais en fin de compte, je l'ai pas gardée parce qu'elle avait pas des stats correctement. Mais c'est celle-ci, voilà. Que j'ai récupéré, que quelqu'un nous a donné. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, on a récupéré une île plus un rhino doré. Donc, c'est assez cool. Ça fait trois armes exotiques. Bon, moi, je les revends après. On va regarder les stats. Mais si ça m'intéresse pas, je vais les revendre. Voilà, en tout cas, ce soir, on se retrouve pour la prochaine. Hey, donc on se retrouve sur Relais électrique de Times Square. Et c'est parti, let's go pour l'ouverture. En tout cas, j'espère que petites ouvertures vous plaisent. Voilà, et en plus ce qui est bien, c'est qu'au lieu de gagner un pack, on gagne par deux packs, donc voilà, avec la récompense triplée. Donc, encore une Thompson, bon bah c'est cool. Alors après, suivant, putain là, honnêtement, aujourd'hui on a vraiment de la chance. Je suis pas encore tombé sur un gilet de barrette et tout, mais je veux pas trop porter la poisse pour la suite. Mais ouais, on a vraiment une, on va dire une, entre guillemets, une chatte quand même là. Parce que putain, pas une seule, pas vraiment une seule arme de merde. Donc voilà, donc en tout cas, sur cette mission, ça s'est très bien passé, honnêtement, grâce au gars avec son bouclier, on a vraiment eu... en fait, on a bien géré notre truc. Hey les gars, donc on se retrouve dans la mission appartement d'Adam, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Donc, l'exo rouge parle donc par le chasseur de la division, et en même temps, on va ouvrir donc nos petits packs. Tac, 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 c'est parti, let's go pour l'ouverture. Donc, cette fois-ci, le Virtuose. Putain, on a vraiment de la chance aujourd'hui. On a vraiment que des armes. Ça, c'est cool. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc, là, pas terrible. Bon, après, je regarde en même temps de mon côté. Donc, là, pas grand-chose. Par contre, j'ai pas eu de classé. J'ai pas vu si j'ai vu un, si j'ai eu un classé. Voilà. Sur ce, je pense qu'on a vraiment de chance aujourd'hui. Hey les gars, donc on se retrouve sur site de production de Napalm et c'est parti pour la caisse rouge. Donc, pour l'instant, on a vraiment eu de la chance, on a eu que des armes, donc c'est parti, let's go, on va voir ce qu'on va avoir. Et une AK-17, donc voilà, encore une arme, c'est cool. Vraiment là, honnêtement, c'est que des bonnes ouvertures. Bon, il n'y a pas forcément les nouvelles. Mais on a quand même que des armes. Et je préfère avoir que des armes qu'avoir des gilets, des choses comme ça. Parce que ça, c'est vraiment... Oh, objet bonus. Et un cogneur classé. Donc ça, c'est cool. Donc on va tout de suite aller le bloquer avant que j'oublie. Donc ça c'est pas mal. Un petit cogneur. Hop. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine. Le sujet, alors c'est parti, let's go pour l'ouverture. Donc c'est parti, allez, une arme. Ah, un gilet de barrette. Enfin, le premier gilet de barrette qu'on a eu quand même depuis qu'on fait l'ouverture. Alors c'est parti, let's go pour la suite. Tac. Ça aurait été bien aimé. J'aurais bien aimé avoir eu
En cadeau, encore un bonus avec une arme. Alors, par contre, j'ai pas eu le chasseur de la division. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas eu le chasseur de la division, mais c'est pas grave. Et on se retrouve pour la prochaine. Hey les gars, donc on se retrouve dans la centrale électrique de Waringed et on va faire notre petit pack ouverture. Honnêtement, génial. J'ai vraiment kiffé cette partie parce que les mecs, vraiment, ils jouaient bien. Et vous voyez, même sans communiquer, on sait exactement ce qu'on doit faire et voilà, et les mecs qui le savent, voilà, on arrive à se comprendre. Par exemple, si je prends le boss, le bouclier, et bah tout de suite il y a un mec, t'as pas, il arrive derrière, tu vois, pour essayer de le reprendre, enfin tu sais, pour essayer de péter le sac. Voilà, ce soir on finit sur la Hild et c'est déjà une bonne arme ça, hein. Et puis vous inquiétez pas, il va avoir encore une ouverture à faire, donc vous en faites pas pour ça. Donc ça on prend, tac 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 et tac. On va regarder si on nous a déposé des petits trucs parce que ça tire dans tous les sens. Oui, il y a un truc rouge en haut qui est le la grosse batteuse. Donc moi je prends, ça me convient très bien. On va regarder vite fait les stats qu'il m'a donné avec. Donc ouais, voilà, pas des bons stats comme par hasard. Voilà, sur ce, on va refaire une ouverture. Vous allez voir ce que c'est et on se retrouve. Eh les gars, donc avant de se quitter, comme je vous disais, tout simplement, on va faire une caisse de classé. On va voir si on peut en faire deux même, ce serait bien. Mais si on peut en faire une déjà, c'est bien. Et une caisse MK4 pour finir. Et puis, je pense que la vidéo sera bien parce qu'on a vraiment eu que des armes. On a eu un seul truc de jet de barrette. Alors, pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, vous allez me dire, il en manque. Oui, il manque ciel pur, il manque l'autre, signal volé. Tout simplement pourquoi? Parce que ciel pur, je la fais plus parce que d'une part, j'ai pas ma team et de deux, on a de plus en plus du mal à trouver des bons joueurs. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué dans l'ensemble du jeu. Donc voilà, donc on va prendre une classe classée. Donc voilà, donc de temps en temps, ça m'arrive d'en prendre une. Donc voilà, c'est parti, let's go pour la caisse classée. Donc on a eu des gants Preda. Donc voilà, bon, malheureusement, c'est pas ce que je veux non plus. Mais c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Et une petite caisse MK4. Alors déjà, le MK4, je vais pas vous mentir, les gars, c'est que tout simplement, je trouve que c'est pas une super caisse. Donc je pense que par la suite, je prendrai plutôt cette collection-là, la M3. Pourquoi? Parce que la MK4, j'aime pas trop. J'ai plus trop envie d'en faire. En fait, c'est beaucoup beaucoup de tenues, genre écouteurs, des vestes, des choses comme ça. Et j'ai gagné des très belles couleurs moi dans celle-ci. Donc je vais plutôt prendre ma source sûre. Donc c'est parti, let's go. Je voulais faire une cam M4, mais en fait je vais faire une M3. Donc voilà, donc beaucoup de couleurs, qu'est-ce que je vous disais. Et une écharpe. Donc tout simplement, après dans les couleurs, c'est pareil. Il y a de tout et n'importe quoi, hein. Donc inspecter. Donc celle-ci. Ouais, elle est sympa, mais sans plus. Celle-ci, LMB, donc voilà, couleur LMB, je trouve qu'elle est très belle sur l'arme. Moi, j'ai la couleur Riker et elle fait un peu diamant, donc je vous ferai voir ça aussi avant de quitter. Et le masque qui est assez sympathique aussi, ouais, pas mal. Et écharpe de masque Predator. Voilà, donc c'est parti, hop. Et voilà, et je vais vous faire voir un peu la couleur Riker, donc celle que j'ai dans le dos, vous voyez, c'est un peu ça. Mais moi, je la trouve vraiment, vraiment belle, la couleur. Non, c'est pas pour elle que je voulais faire, c'est sur elle. Donc, vous voyez, elle, moi, je la trouve vraiment sympa, la couleur Riker. Je trouve qu'elle est, elle pète un peu et je trouve qu'elle donne un peu de style à l'arme. Voilà, en tout cas, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et j'espère encore que la vidéo de division vous a fait plaisir. Voilà, je sais que ça fait un bout de temps que j'en avais pas fait. Enfin, ça fait au moins 2 semaines que j'en avais pas fait une vidéo. Donc voilà, donc si ça fait plaisir, mettez-le dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.